Attends, vas-y, avance-toi un peu. Encore avance, non, vers là-bas. Voilà, nickel. Allez, touche. Deux, trois petites choses avant de commencer la vidéo. Je t'explique un petit peu le contexte de pourquoi cette vidéo. J'étais sur mon ordi en train de traîner dans mes dossiers perdus, mes dossiers cachés, mes dossiers oubliés. Et là, je suis retombé sur cette session. J'ai commencé à regarder les rushs. Il s'est passé un truc. En fait, je me suis marré. Ah oui, je me fais marrer à me regarder. Et Marco m'a fait rigoler aussi. Et en fait, j'ai eu envie de monter la vidéo. C'est une vidéo qui date de plus d'un an, qui a été tournée il y a plus d'un an. Spoil alerte, il n'y a pas de poisson dedans. Spoil alerte, la vidéo finit très sèchement. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Juste kiffer, kiffer la nouvelle vidéo. C'est des images exclusives que vous n'avez jamais vues. Je relance le générique. Mais pourquoi tu ne mets pas là? Vas-y, assis-toi. Je vais régler. Assis-toi. M'énerve. Ah, ça y est. J'ai acheté un pied à 100 euros. On a pas besoin. Salut à tous, salut à toutes. C'est Étienne et Marco pour Carte Division. Nous sommes le 29 avril. La dernière vidéo est sortie fin août. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 8 mois. On était dans les travaux. La maçonnerie, du montage de poêle à bois. De la peinture. La peinture. Franchement, ça va. Un monocouche. Ça se voit pas. Un motocouche sur un mur en crépi. Ça se voit pas. C'est les goûts, les couleurs. Hein. Normalement, c'est deux couches minimum. Non, mais déjà, les goûts, les couleurs, ça n'existe pas. Il y a des belles choses ou les choses pas belles. Un roncier, c'est pas beau, mais les murs, c'est bon à manger. Comment ça te vient, ça? Je sais pas. Je sais pas comment ça vient. C'est inné, c'est comme ça. Alors, travaux. Après, j'ai coupé du bois. Beaucoup de bois. J'ai coupé du bois. Planter des truffiers. Non, on se bat en couille en vrai. Putain, c'est dans un club de pétanque, les gars. J'ai fait un barbecue pour 62 personnes. 62, si vous voulez. L'été 2, j'ai pas fait tout seul. Ils ont fait quoi, les gens? Ils se sont léchés les doigts avant. Ils se sont léchés les doigts. Pas une saucisse, pas une merguette de cramé. Moi. Flamme, on sait pas dire, personne n'a vu une flamme dépasser une saucisse. C'était carré, mon pote. On reprend la pêche, ouais. Rivière. Moi, j'irai faire quelques coups au pain, comme il d'habitude. On fera rien du tout. On fera rien. Petite rillette de canard, et puis après on va les poser. Je pense qu'on a 2-3 cannes chacun, 2 maximum en face. Une au pied peut-être. T'as su, j'ai des tigers, j'ai des grosses tigers, des jumbo. T'aimes ça peut-être? Tu les as prises? Ah ouais, ils sont. Ah non, je vais mettre les 3 cannes en dedans. Ce matin, je me suis levé à 6 heures à faire cuire des graines qui vont jamais servir. Ça, c'est top ça. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de vous revoir. Hein. Pour les nouveaux, abonnez-vous, il y a plein de vidéos à voir. Et les buses commencent à tourner, c'est que les petits sont. Elles ont faim. Tu sais que la dernière fois qu'on a pêché là, il y avait un, derrière, il y avait le chevreuil qui était en face. C'est pas un Milan ça? Non, c'est pas des Milans. Les Milans, ils ont de la collerette blanche. Tu l'as pas, toi, la collerette blanche? Allez. Bon, allez, bref, parce que. À tout à l'heure. A few moments later. Bon, là, il y a une bonne demi-heure qui s'est passée. Je vous promets, on va pêcher. Petit café. On a acheté du chinois. Attends, je vous montre. Arrêtez d'acheter des trucs bizarres là. Il y a un seul dessert qui compte à la pêche. Ah, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Attends, c'est très satisfaisant là. Oh là 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 là. Quel bonheur. Regardez-moi ce petit trou là rempli de blanc là. C'est joli ça. J'en ai juste une poignée, c'est tout. Je n'ai pas grand chose. C'est que des. Ah, il aime ça. De quoi? Là, j'ai fait un petit bain de neige. Vous n'avez rien compris ce qui va se passer. Je sais en plus ce qu'il faut pêcher. C'est la pointe de l'arbre. Ah, la pointe de l'arbre, elle est coquine. Elle est coquine! T'as la cassure qui tombe.
et tu as le remous qui va jusqu'au pied de la cassure. Parce que des fois, on se dit, on va pêcher, tu vois, là-bas, mais tu as le remous qui tourne. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que la fin du remous, bien souvent, c'est la cassure. Donc en fait, ton montage, il fait comme ça, il se promène dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, tu as le remous, le courant, et bien souvent, au pied de la cassure, c'est là que le courant arrive, quoi. Ouais. Donc t'en as rien à branler, quand tu connais rien à la pêche. Ah ouais, je suis à la fin du montage, là je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire un truc. En fait, s'il n'y a pas de vidéo, c'est de ma faute. Hein. J'ai arrêté de pêcher en fait, c'est une pause. Mais les deux autres de Carte Division, parce que si vous avez suivi maintenant dans Carte Division, on est trois. Marco, Étienne et Popo. Pauline, ouais. Tout ça pour vous dire qu'en fait, Marco et Pauline, ils poncent les berges. Ils vont en barrage, ils vont en rivière, ils font du bateau cabine, ils font de l'étang avec des petits bateaux amorceurs là. Ils ont fait des tonnes de poissons. Mais ils filment pas! Ah, ça m'agace. Donc je vais être obligé de revenir à la pêche pour filmer, pour refaire des vidéos. Bon allez, on continue la vidéo. Bon les gars et les meufs, les cannes sont posées, je pêche à deux cannes, Marco trois cannes. Tu fais pas de canne en bordure? Non, j'ai pas mis de canne en bordure. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que lui là-bas, là, que vous voyez là. Bon, ça y est, j'ai fait la pêche les gars. Il a déjà fait son poisson. Ah, silure. Un beau petit silure, un métré. Oh, au bout de 10 minutes, crac. Le cassant. Le silure. Tu l'as pas montré? Saloperie. Il est dans le roncier derrière. Arrête. Non, Next day. On a fait 3 silures depuis qu'on est arrivé hier. On espère vraiment vous présenter un poisson. On va pas les inventer. Ah, c'est la rivière, elle est coquine. C'est comme ça. Eh, on décide pas de tout. Allez, à tout à l'heure. Allez voir, ça va pas se poser au fond, cette merde là. Attends, mais doucement. Mais doucement, c'est en train de tout s'ouvrir en bordel. Hein. Oui, 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 oui. On dirait des boudins blancs. Tu sais que tu manges à Noël avec les pommes là. Oula, j'ai ma canne là, t'as vu? Ah, t'as failli lancer dans le casson, une beauté. Voilà, pas plus. Pêche en bordure. Là, on sécure la canne. Ah, c'est allumé, ça c'est. Alors ça c'est interdit ça. Canne en bordure, il tape mon port. Pourquoi tu tapes du pied comme ça? Bon allez, on démarre. Alors, cette année, on a un nouveau partenariat, Made for Fish. C'est de l'anglais, toi qui es bilingue, vas-y, ça veut dire quoi? On n'y arrivera pas. Ah là, la présentation produit, et c'est quelque chose quand même. Faut le vivre. Et pourtant, Made for Fish, on vous mettra tous les liens, il y a les liens qui s'affichent partout dans l'écran. Est-ce que c'est des batteries? Au lithium. Non, c'est même pas du lithium. Du LifePo4. C'est hein. LifePo4. Mais il y a lithium et LifePo4, c'est le au-dessus. De ce que j'ai compris, moi je suis pas un spécialiste. Si vous voulez plein de trucs sur la batterie, vous allez les voir eux. Il y a tout écrit sur le site, voilà. D'accord. Nous on s'en sert, c'est tout. Un petit port USB. Et nous ce qu'on a demandé en plus, ça c'est un petit plus, c'est l'allume-cigare. Le petit allume-cigare, c'est coquin. C'est des batteries qui sont personnalisables. Si tu veux. Un allume-cigare, ils te mettent un allume-cigare. Si tu veux de l'USB, ils te mettent de l'USB. Si tu veux un téléphone qui charge, nous ça marche pas. Alors, on est ça, on old school. On l'a, hein, sur la batterie. Ah, mais c'est mon téléphone, sauf que nos téléphones ils fonctionnent pas. Mais pour tous ceux qui ont des iPhones, tu le poses dessus et voilà. Mais bon. Ah, mais c'est pas, je le pose, ça fait rien. Bah après. C'est foutu.
Prochain coup, vous nous donnerez les téléphones qui vont avec aussi. La particularité des batteries en Life Pro 4, c'est que tu peux les décharger jusqu'à zéro. Exact. Tu peux tu peux tirer dessus jusqu'à la fin. Voilà. Avant que ça arrive à la fin. Et puis c'est bien, c'est pas lourd. Hein. Tu sais combien il pèse ? Mais je sais pas. Comme ça, vide nez. Allez, c'est comme au kin pour le jambon là, tu vois. Combien ça fait ? Je sais pas, 5,50, 6. Un peu plus, moi je dirais. 7. Ouais, dans les 7-8. On regardera, on vous le dira, putain. T'en présentes des produits, on sait même pas ce qu'on présente. C'est pas une beauté, ça, quand même. Je crois que là, cette belle présentation produit mérite un petit pouce bleu et un gentil commentaire. Alors, vraiment gentil. Aïe, 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 fin de vidéo. Oui, alors la vidéo se cut vraiment à l'arrache parce qu'on n'a pas terminé la vidéo. Pourquoi ? Parce que la deuxième nuit, 5h du matin, nuit noire dans ma tente, j'ouvre les yeux et là, ça devient tout blanc, l'orage. Je déteste l'orage. Pour un pêcheur de carpe, oui, c'est bizarre de détester l'orage parce que, voilà, quand l'orage monte, ça fait des départs et tout, mais pêcher sous l'orage, en fait, c'est naze. Bref, je fais le tour de la tente comme ça, là, en criant. Là. Je vois un bateau, je monte dedans et là, je pars me foutre à l'abri. Je rase les bordures de l'eau. Marc le découvre en même temps que vous. Je rase les bordures de l'eau, Marco, il dormait. Et là, il y avait les branches qui sortaient des bordures. Et j'entendais... Il y avait la sonde de l'éco-sondeur de 1 500 € de Marco qui tapait dans les branches. Et je suis allé me mettre à l'abri. Du coup, plus de vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est un retour, mais en fanfare qu'on vous fait, là. Garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish.